Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous culinaire de la semaine, Bon Appétit Culinaire Show, bien présenté par moi, Perfecta Miladi, ainsi que mon chef, chef Babissos. Bonjour chef. Bonjour Perfect. Ça va? Ouais, ça va. Alors on se retrouve encore une fois de plus cette semaine pour présenter un autre plat aux téléspectateurs qui nous suivent. Mais le plat a été proposé, demandé, redemandé. Alors aujourd'hui, on a décidé de le présenter. Qu'est-ce qu'on va le faire aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, ça sera un plat simple. Oui. On va faire un poulet mayo. Poulet mayo. Poulet mayo, bon. Le mieux poulet mayo. Tout le monde l'adore. Les quinoa, tout le monde. Le mieux poulet mayo, poulet mayo. Mais c'est énorme. Vous venez le déjà sur eux. Demain, on se repose. Le nouveau pima. Donc, je sais que quand tu fais les poulets mayo, tu m'emballes un peu. Je vais réchauffer demain matin. Je ferai une bonne quantité que je peux manger même le dimanche. Avec la chikwang ou avec quoi? Banane aujourd'hui, demain chikwang, dimanche la lipa. Dimanche lundi. Oui. Dans le mot pémi, dimanche au pémi, lundi tout le temps. Peut-être lundi, je veux frire. Voilà, aujourd'hui, on va faire un poulet mayo. Poulet mayo, on a dessous, il y a des bases, il y a poulet mayo. Et tout saisonnement, il y a poulet mayo, il y a dessous. Vous allez à mini. Assaisonné par Béni. Okay. Bon, Béni, et quand on a 4 tirs, ils arrivent, base, il y a assaisonnement là-dessous, et sans compter, ils vont utiliser le même mini chaud. Chaud. Donc, on a 4 tirs pour les mal. Donc, bah, les légumes, tout ce que vous avez là, oignons, poivrons, persil, un peu de piment. Toi, tu manges pas les piments avec les volets. Non, moi, je mange les piments. Bon, moi, les piments. Bon, on va faire un nid plus. Ok. Donc, voilà. Alors. L'émission d'aujourd'hui, on va faire le poulet mayo by Chef Babissos. On y va, qu'est-ce qu'il faut pour le poulet mayo du chef? Bon, on va commencer d'abord à couper le poulet. Poulet. Voilà. Alors, en ce temps, je peux t'aider à faire autre chose? Je vais te prendre le bouillon béni, d'accord? Oui, merci. Comme ça, moi, j'ai cuit les poulets. Comme on vous l'a dit, on vous prépare le poulet mayo aujourd'hui. Le chef va bien commencer par morceler le poulet. Le temps qu'il le prépare, qu'il rince un peu, qu'il nettoie, je vais en profiter pour vous présenter nos produits. Vous savez bien que nous sommes chez Bon Appétit Culinaire Show. Et qui dit Bon Appétit Culinaire Show, dit la gamme de produits Bon Appétit, n'est-ce pas chef? Oui, oui. Alors, la gamme de produits Bon Appétit qui se présente là devant vous. Vous voyez, on a nos sauces, on a notre lait, on a le flocon d'avoine, on a notre chocodio. Donc, je vais vous présenter un à un. Là, vous voyez le lait, c'est le 900 g de lait Bon Appétit. 400 g Bon Appétit. Et là derrière, voilà le 2250 g de notre lait Bon Appétit. Alors les tailles, elles ont varié. On a notre sauce moutarde de Dijon Bon Appétit qui est très bon pour la cuisine. Aujourd'hui, on va faire un poulet mayo, pas le poulet moutarde de Dijon. Alors quand on dit poulet mayonnaise, c'est la mayonnaise Bon Appétit, la star d'aujourd'hui. On va vous faire un bon poulet mayo avec la mayonnaise Bon Appétit. Maïs doux aussi, chef. Le chef m'a dit, on va utiliser pour notre poulet mayo aujourd'hui notre maïs doux. Voilà comment le maïs doux de la maison Bon Appétit se présente. Et là aussi, on a le flocon d'avoine Bon Déjeuner. On a notre ketchup, ketchup Bon Appétit, notre chocodio Bon Appétit, le petit pois Bon Appétit, notre sardine Bon Appétit et notre tomate concentrée Bon Appétit. Alors aujourd'hui avec le chef Babi, spécialement notre poulet mayo avec la mayonnaise Bon Appétit, chou et notre maïs d'eau Bon Appétit. N'est-ce pas, chef? Oui. Alors, tu as morcelé les poulets. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est comme une étape, il y a assaisonnement. Assaisonnement. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait pour l'assaisonnement? On commence d'abord par mettre du sel. Toujours commencer avec le sel. Après sel. Le sel, tout bas, le sang, bien. Mélanger pour sel et koutana. La moussouni bien, la boulie très bien. Après ça, dis-moi, tu as besoin de quoi, je vais t'aider. Muscade. Muscade.
On a aussi béni, hein, les amis. On a béni pour notre cuisine. Déjà que la gamme de Bon Appétit et on a rabilou tellement quitté gros. Tu es sur un supplément à béni. Pour les commissaires, on sont super quitté gros. En tout cas, pour votre cuisine, toujours utiliser les bons produits comme béni, comme la gamme de produits Bon Appétit. Là, tu as ajouté le pistolet. En fait, quand on a un Bon Appétit, ça, pour moi, c'est meilleur. Ouais. Ceux qui ont appétit, j'ai dit Bon Appétit à Zali. Ceux qui ont cuisine, Bon Appétit à Zali. À tout de suite, Bon Appétit, tu vois, tu es sous quoi? Adam partout. Adam pour un petit déjeuner, Adam pour un déjeuner, Adam pour un souper. Donc, Bon Appétit, c'est la gamme complète de la cuisine, en fait. Tu as le lait, tu as le flocon d'avoine bon déjeuner, tu as le maïs doux, tu as la mayonnaise Bon Appétit, tu as le tomate concentré, tu as le pilcha Bon Appétit qui est là devant, la 155 grammes, tu as le cornebœuf Bon Appétit, tu as les pâtes Bon Appétit. Donc Bon Appétit, elle a partout la cuisine, en rayon de le bagage, votre cuisine complète. C'est la gamme de produits Bon Appétit. Soyez pour la salade, pâtes et toujours. Oui, pour nous, c'est une bonne look. Bon appétit, bon là. Bon appétit, Zali. Mm-hmm. Et pour notre petit déjeuner, Bon Appétit, Zali. Plein Bon Appétit. Ça nous comble. Jusqu'à la carte à courir, là. Non, on a fait béni. Rien encore. Rien encore. Donc, maintenant, il y a la sel. Oui. Il y a une muscade. Il y a pour toi des petits courriers. Oui. Mais pour toi, un meilleur courrier. Après, nous allons acheter une achat béni. Je vais t'aider avec ton béni. Voilà. Je coupe juste. Très facile à faire. Chef. Aide-moi. Tu veux l'aide? Je me dis hein, si c'est assez. C'est bon? Ouais, c'est bon, merci. Qu'est-ce que tu es en train de sauter maintenant? Non, on saute les deux minutes. Bon, on saute qu'à poivre, on a oignon. Poivre, on a oignon, on a quatre petits choux. Choux, on a quatre et choux, le rose à la ronde peut-être. Choux, on saute, tu es au bâtiment okay. Après? Choux, on a fait après. Alors, tu es le casse-maïs devant aussi. Tu peux m'aider à émoutir l'eau. Merci. D'accord. C'est bon, le maïs est là. Merci. À 14, je vais faire une boîte. Je vite le poulet est prêt. Oui, la belle sont bien type. Ok, je pense qu'il est temps pour ligner sur un papier. Ok, donc par la bien et
Donc, on va couper les légumes, le kataki. Donc, ça, c'est la première phase, on peut dire. Oui. Alors, si je me rappelle bien, on avait juste seulement mariné. Mariné. Sel, moussade, bouillon, béni. On l'a mis au four, pré-cuit. Pré-cuit. Maintenant, on bim ici. Oui. Maintenant, on va vraiment emballer l'emballage, c'est ça? Oui. On va ajouter le condiment qu'on a préparé. On va mettre d'abord des légumes, des choux. Ok. D'accord. Oui. Le sel est déjà bon. Donc, c'est top. T'as besoin du papier à dire, hein? Oui. Alors, vous faites le poulet mayo, mais pas maintenant. Poulet mayo au four. Ah. Alors, comment vous pouvez vous faire votre poulet mayo à la maison? Mon différence, c'est la mayonnaise bon appétit, là, la mayonnaise du sous. Oui, chef. Parce que la mayonnaise bon appétit, sur autre chose, qui est. C'est constant, donc, et fendre tes poulets. Parce que poulet, on vend vraiment le poulet. Voilà, mais si vous avez une mayonnaise, vous avez une tienne, là, pour le dernier, qui monte le moment du main, il faut. Pour le moment, il y a une bonne appétit. La différence en mayonnaise, il y a un bon appétit en mayonnaise du sous. La mayonnaise qu'il faut pour un bon poulet mayo. Pas encore besoin de plus de mayonnaise? Non, c'est bon. Donc, il y a ça, accompagnement. Ça, même le parfum. Ouais, ça sent cru. Le mélange, donc. Ah. En attendant, je chauffe l'huile aussi. C'est nickel.
Chien Baby Sauce. Oui. Je vois que le plat notre poulet mayo est prêt. Oui. Alors tu peux nous récapituler, résume-nous comment tu as fait pour faire ton poulet mayo. Voilà, poulet mayo dans la yango et beli. Pour en abandonner na bateau mazu ya bateau baye rita. D'abord nous avons poulet dans la. Oui. 4-4 ans. Sauce la poulet ya makasi, il s'est nga au chute sam. Ok. Mais sauce la poulet pété, pour tout ça dans mon temps. Le chocolat en gars bien, au saisonné en haut, saisonnement toujours tout bas dans la selle. Ok. Au bas de la selle, au lieu qu'on s'abat des jim au yoyo, au ce soir au salaki marinade naïo, au coquille qu'on utilise. Un soir au marinade que nous salaki tout ça, on fait dans les pistes, même sur un bon appétit et zali. Donc, au coquille qu'on utilise, au bon salaté tant aux autres saisonnés, pour y en haut, au bon salaté où tu as béni la quête. Et ça, vraiment très 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 bien pour l'assaisonnement de l'eau. Et à la baisse à la foulée, au cours de ces deux noms à béni. Et à la viande de rousser les appuis, béni, parce que béni a pris mes amis, les amis. Voilà. Donc, en saisonné, foulée dans la banane, la sel, des écouteurs, muscade, natiba, ma condiment, tout, on a donné dans mon dieu, ah, nan, natam de nan. Dans la cigissi, n'est pas joie, béni, nan, natin en fati, panda au moins 30 minutes, natin en fou, fou, je l'ai juste mal là. Allez, mais c'est moi, c'est moi mon kit. Mais pour bien l'amour, normalement, il y a mis là, na papier dans l'aluminium. Okay. S'il vous plaît. Tant que ça la poulie mayo, ça demande pas que mayonnaise fait des lika. Sur mayonnaise, il y a qui n'a plus l'eau pour la poulie mayo nao, va te bavouler en bien. Parce qu'il y a beaucoup de ma foutre. Ok. La meilleure mayonnaise au conseil de la poulie, moi, c'est le poulie dans l'aluminium, on est qui est beau, sinon on m'a foutre. C'est très bon, on m'a foutre. Donc, c'est la mayonnaise, bon appétit. Ma mayonnaise, je suis tous les arabes qui ont pris les hommes autour de mon arabe. Et c'est fondre et boti ma fouta. Nettement déjà, je suis là que boti ma fouta, bon, on est mayonnaise, mais on l'a acheté. Donc, les gens, on a l'air à l'aise, on a vraiment très, 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 très bien. Donc, là, je vous en ai, on a quatre chou, on a les autres, ma sang, maïs, nous, il y a boîte, utiliser maïs, nous, bon appétit. Ouais. Donc, ils ont vraiment très bien. La carte qui choue noir, la tche maïs nakati, la tche on a carte à poulet, la tche mayonnaise, mange le porc, le côté fou, sous un barbecue, le côté on a barbecue, sous un barbecue, t'es gay, vous en a four, manda, tu peux aussi, le côté on a carte à four, température moyenne, de vos mille en haut, très bien, poulet en haut, et ça est tout. Ça c'est pour toi. Merci, chef. Merci, mais avant que moi je prenne. Plus qu'un morceau, oui. Il faut que l'on ait une vie sur mes cas. Et bien, on a deux chefs. C'est ça? Il n'y a pas de problème. Tu es prêt? Je suis là. On appelle? Je suis là. D'accord. Alors, pour la dégustation, on va commencer par Madame Raïcha. Okay. S'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Raïcha. Madame. Bonjour. Sur la personne qui est parfaite à El Makimba. Je vais vous dire. Le côté mayonnaise, il y a bon appétit. Et pourquoi le côté maïs, nous, la mayonnaise, il y a bon appétit. Mayonnaise, d'abord, il y a bon appétit. Ça a choqué. Vous avez le nom de poulet mayo.
On ne sait pas avec ses achats. Mais nous, et bien, il fait bien ça. Pour que vous êtes chef. T'es naturel, oui. Bah, pour le moment, on a des légumes, oignons, poivrons, la sauté qui est bon. On va toujours attirer un peu de biche. Moi, je préfère pas les aïe de biche. Donc, normalement, la sauté qui est en main, pour t'es seulement au limba. Après, on a que mélanger la pilée dans ma vie. Ah, ok. Et on va vraiment ma pute, ma pute à terre. Et c'est bien cuit. Merci, chef. Félicitations. Comme d'habitude, tu nous fais des délicieux plats. Je réponds au rendez-vous. Déjà, ça sent très bon, chers téléspectateurs. Vous êtes là-bas derrière l'écran. Moi, je suis ici avec le chef Bavine. Les poulets sont tellement bons. Maïs, chou, mayonnaise, bon appétit, ce mélange-là. Et puis c'est vraiment saveur à Kito qu'on a cuisine chez Babi. Bien qu'avec l'odeur, je veux donner moi-même les côtes. Non, ça sent vraiment bon la présentation Kito pour l'apport de maïs. Tu vois, le petit jaune-là, ça fait vraiment une très belle déco. Ça sent tellement bon. Donc on t'a donné un 5 sur 7. Donc c'est vraiment délicieux. Et j'espère que pour vous aussi, à la maison, vous aurez le temps de le refaire. Pourquoi pas nous faire une photo? Si vous avez vu ce que recette, vous avez tout ça à la peau, la bino. Tout comme la recette, vous avez la culinaire, tout ça la culinaire chaud, ou bien vous avez vu ce que vous ça sera vraiment une très bonne chose. Alors, on se retrouve très prochainement. Mais avant que je vous dise au revoir, il faut que chef Babi dise à nous. Merci beaucoup à tout le monde. Non, c'est pas fini. Chef Babi, pas timide. Merci beaucoup et bon continuer toujours qu'on en a du saut. Et bon continuer du couscous, c'est la bagarre de la du saut et bon appétit. Mm-hmm. Bon appétit, tu as la nuance. Vous avez besoin de salade, pâte et zani. Vous avez un petit pois et zani. Vous avez un maïs et zani. Petit déjeuner dans le temps. Vous avez un mayonnaise et zani. Vous avez un sardine et zani. Vous avez un pichard. Vous avez un lait et zani. Donc, vous continuez toujours à consommer la ligne. Bon appétit. Vous continuez à vous rendre. Merci. Merci à la caméra. Merci à la caméra. Merci beaucoup de suivre l'émission Bon Appétit Culinaire Show. Comme le chef l'a dit, la mayonnaise Bon Appétit, le lait Bon Appétit, la gamme Bon Appétit, cuisine complète pour vous, pour votre famille, disponible à un très bon prix. Vous pouvez le trouver dans vos supermarchés, là-bas, venez dans votre boutique à point. Pour qu'on trouve mayonnaise Bon Appétit, ou qu'on trouve fécha Bon Appétit, ou qu'on trouve sauce tomate concentrée Bon Appétit.
Nous sommes sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Vous pouvez suivre chaque épisode de Bon Appétit Culinaire Show. Nous sommes aussi à la télévision chaque mercredi à 10h. La rediffusion, c'est vendredi et dimanche à 12h. Nous sommes sur MB Télévision au prochain épisode Nianso et Bon Appétit Culinaire Show. Aujourd'hui, on vous a fait le poulet mayo, chou, maïs doux, Bon Appétit, mayonnaise, Bon Appétit. Alors, on vous aime énormément. Pour beau sanaté, pour tout que la vie soit recette, ni au limite, ça la prochainement. L'émission un Bon Appétit Culinaire Show. Bon aimer, bon partager l'émission. La compte la vie sur Facebook, pour tout qu'à vos commentaires. Alors, on vous aime énormément et on se retrouve très prochainement. Merci, bisous, bye.